Ouais, ça le Les fait. dragons, on est en réserve. Non, mais attends, on peut rester en arrière. Allô? Du coup, à gauche, c'est moi, Fire et les cracks. Allez, on se dépêche, le troisième à droite, à droite. Et la réserve aussi. C'est qui la réserve? Ça va être la cavalerie et la première. Troisième à droite, on se dépêche. Bon, on est en réserve. Shield et Rick. Attends, mais elle est dure cette map. T'inquiète pas, il y a des skins avec toi. Je vous préviens, c'est la première fois. Choose your line. Ok. Can we form our own? Do we have enough to form our own, or do you want us to join along? No, no, just a line and follow them. Alright. Pour la durée de la LB, Semi. Oh, oui. Ok, attends, je te parle de game. Cricor à 10, tu pars direct. On va partir en sud-sud-ouest, on va y aller lentement. On va donc, Fire, tu es pas sur ton côté là. Soit t'es arrivé, soit tu vas direct. Ouais, c'est ça. Tu restes devant, là, derrière la porte, à l'abri de l'artillerie. Ouais, ok. C'est normal que j'ai des double RCG avec moi? Oui, c'est l'équilibrage. Allez. Ok, au bas de course. Sud-ouest. Ah, on est quand même en infériorité. Sud-ouest. Ok, Arnol, je vous laisse avec l'artillerie. Second aigre, plein sud-sud-ouest. Et on fait attention s'ils sont déjà là-bas. Derrière la colline pour être en couvert. On reculera. Darin, t'as un pour le moment, non. Je reste ici. Ok. Donnez-moi les infos et après on a. Cap à droite, cap à droite. Alors, pareil, les cavaliers, allez vous cacher à droite. Oui, cavalerie au centre. Bien à gauche, les gros. N'oubliez pas, les gros ne peuvent pas tirer. Ouais, c'est pour ça. On a deux X-Bow dans la vidéo. Restez bien derrière. Je vais tenter quelques petits tirs. Ouais, gros, massive ligne. Super, j'en avais besoin. Vous évitez juste toute vision avec l'ennemi. Ouais, attends, il y a une marée humaine qui arrive sur la droite en fait. Alors, il y a les caves qui arrivent à droite, ouais, Darin position défensive. L'arty, Arnold à droite. On s'est chargé. C'est parti ou pas? Semi, sud-sud-ouest, tu montes la colline et on la cave qui nous flatte. Tu as rien de ton côté, tu peux avancer. Le crack, il y a quoi d'autre côté? Il y a rien. Ok, on joue hyper agressif. Vous êtes l'élite de l'élite de la défense. Ok, roulement, donc left, gauche. Ok. Voilà, il n'y a rien de meilleur que nous, mais ça va sur moi. On joue. Fire, il y a une ligne qui se déplace du centre vers la gauche. Ok, West, bah alors on va l'anticiper, c'est de trouver une position. West, donc je dirais 159. Ok, pour tirer ma cave, cave détruite, il en reste juste une. Pas de rose, crack. Tu vas rester derrière la butte là où il y a semi à ta droite. Formez bien, resserrez sur la gauche. Allez les gars, on resserre sur moi. On s'apprête à tuer le dernier cavalier. Ouais, par contre, on est obligé de. La ligne est obligée de back. Hein. Ouais. Sinon, on va se faire allumer. Il y a 3 lignes qui nous tirent dessus. Il y a plus de cave, la cave. Très du bas sur la fumée en nord-ouest. Et feu. Rick, tu peux venir à côté d'Anarchy de Rick. Ok. Nice. Il est flanc droit ou flanc gauche? Pour soutenir le flanc droite. Par contre, Skyod, apparemment, vous avez tiré pour que les cavaliers vous chargent. Ok, Skyod, vous êtes tout seul, il faut partir. Anarchy, tu peux ping ta position, s'il te plaît? Je te la ping, Rick. Ok. Semi, tu vas couvrir les greux qui vont avancer la butte en face. Nord-ouest. Est-ce que j'ai... C'est qui commande la cave? Rick, recule, sinon tu vas être dans une cuvette. Il faut rester, il faut que tu gardes la hauteur, ça sert à rien, c'est perdu la colline. Ouais, vas-y, Shiv, utilise tes caves. Ok, gauche. Les canons nous visent, hein, et halt. L'artillerie sur votre droite, vous devez avoir des sacrées cibles. You can see them. On joue sur la fumée, au moins 2-3 mm. Et feu. Fire. Fire, ils arrivent. Avance, okay, avance.
Je peux pas avancer. Non, tu vas te rester en reste. Prépare juste à les accueillir. Juste. Les skirms, ils sont tous morts. Le crack. Non, non, mais encore. Fais en sorte que. T'as un moyen de les charger au moment où ils lèvent la tête. Ils sont positionnés. Pas encore. Artillerie, il y a une double ligne sur la droite. Ok, ils vont se placer. Ils vont se placer au semi. Prépare-toi. La première ligne seulement, la première ligne. Ils sont en plein nord. Plein nord. Shiv. Par contre, l'arty, faut vraiment que vous tourniez sur la droite. Oh, ok, il se replie. Non, genre là, 70 mètres. Krikor, t'as des riflemen qui t'arrivent dessus. Là, je suis là. Allez, toujours plein nord. Ok, là, tu les backstab en vrai. Ils sont. Skyon, focus les skirmen. Tu les vois, ils sont en plein nord. Plein nord-est maintenant. Jouez avec le rocher, Kyo. Vas-y, force ce crack. Allez, à ma droite, dépêchez. Tu les charges. Tu les charges et tu reviens. Attends, il y a deux unités. Attention, attention. Ouais, t'en crois, il y a deux unités de skirmen. Attention, anarchie. Les forces de crack, chargez-les. C'est un peu tard. Allez, repliez-vous. La cave charge. Les caves, la charge. Attention! Mais c'est pas vrai! Move qui a récupéré, mais vous mettez pas en haut. On peut pas prendre les ordres. Le côté droit s'est fait enfoncer de ouf. Il faut des. Il y a genre 40 pédos. Non, mais si, ouais. Là, les skiams ils sont en train de faire le maximum, mais je vois qu'il y a des lignes en réserve et. Peut-être se tourner là. Fini les mecs qui sont en bas. Sur moi, venez. Il y a un bonhomme là. On peut pas les retenir pendant longtemps. Et feu! À mon avis, envoyez la moitié de la quatrième à droite parce que sinon ça j'aime rien. Mais je suis pas là. Mais pourquoi y'a pas de ligne qui arrive sur la droite? Ok, à gauche on s'est fait, on a pris cher en magasin. Mais je suis pas là. On peut vous prévenir parce que là ils sont au niveau du spawn donc à force se bouger le cul. Décale-toi un peu plus à droite. Regarde, ça nous arrive dans le spawn. Ok, tu reprends des positions défensives. Oh, y'a quelqu'un qui va se bouger le cul ou vraiment pas là? Bon, alors est-ce que quelqu'un est stratège total ou il faut prendre une décision là? Tu parles à qui? Alors, je prends la moitié de la quatrième et redéploie-toi face en nord-est. Nord-est, vous allez vous faire back. 3, donc la fumée, ça tout le monde a rechargé. Mais les mecs, écoute, celui tu prends des positions sur cette colline là. Je vais devoir changer de la quatrième, retournez-vous. La quatrième, vous retournez et vous allez. Là, ils sont derrière vous au spawn. Il y a une ligne qui est haute. Topo, la des skirms au milieu des skirms ennemis au milieu de notre spawn et toutes les autres lignes elles sont à votre nord-est. Et pourquoi la quatrième avance? Rick, recule, remets-toi derrière. C'est un ordre de Megato ça. Ah ouais, non, mais là c'est une connerie. Bah non, c'est pas une connerie, je l'ai mis à l'abri. Ah, ils étaient 4 hein. Là, de loin ça va, Dara. En vrai, c'est. Il y a une sorte de rond qui se forme sur eux. Te replie pas au camp, ça va rien. Essaye de décaler. Anarchide. AFK recharge. Il faudrait que tu décales après ce tir un peu plus sur la gauche, okay. Histoire de les englober. Allez, sur moi en marche en chargeant. Portée pratique, hein, les gars. Ils sont proches. Attention, l'artillerie. Bon, je prends les canons, je. Demi-charge, pardon, avec moi, pas de course. Et j'ai plus de ligne. Ah. Vas-y. Ok, halte, quart de tour gauche. Anjou. Attends, je vais lui faire. C'est bon, on les a encerclés. Tu parles pas d'Archide. Est-ce que je peux. Kayol, tu peux essayer de les empêcher d'avancer dans le spawn, ça serait nickel. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Je vais rester à côté de l'arbre. D'ailleurs, j'ai besoin de toi sur le camp, reviens s'il te plaît. C'est arrivé, mon temps de flanque. Ils sont tous devant toi, Skyl. Fais gaffe. Semi, tu retournes au camp, plein nord-est. Oh là, on sert pas les skirms, On se sacrifie. Bon, la Rick qui est en soutien sur ta gauche. Ouais, y'a Rick qui va reformer. Vous les prenez en. J'arrive, Megato, on arrive dans les 45 prochaines secondes. Ok, joue un maximum avec les tentes. Restez où vous êtes, les skirms, et fumez-les. Allez, on avance sur moi. Si vous pouvez essayer de fumer les skirms ennemis là qui sont plus que 3, ce serait. Les skirms, reforme bien, Anarchide. On va sur ma droite. Ils sont où, Omegato, tu peux me dire où ils sont à peu près les Russes? Franchement, ouais, ils sont sur le camp. On recule. Semi à droite en est, il y a des Russes, il y a une tenue russe. La cave, passe dans le back du spawn pour leur mettre sous pression sans t'exposer trop. Allez, on avance. La cavalerie. Omegato, ils sont à gauche là, ils sont en reste dans leur dos histoire de les bloquer, mais. Expose pas trop.
Là, ils sont en déroute, mais ils ont un mur invisible, ils sont bloqués là. Allez, tu me les tiens, Anarchy, tu veux pas qu'ils passent. Tu me les retiens, ces bonhommes là. C'est une exécution. Allez, sur moi. La quatrième, vous pouvez avancer là. Ça va un petit peu vite. Attention, il y a une ligne ennemie qui se décale vers toi sur ton flanc, Fire. Attends, on est en pleine charge. La ligne à gauche, c'est quoi le minimum d'escarme? On est 3. On est 3 là. 2 ou 3? Parce que non, c'est vas-y, la cavalerie, allez-y. Non, on est 3. Ah, vous êtes c'est un cavalier, hein, donc vous pouvez y aller. T'as encore de la marge, ouais, shift. Semi, regarde en nord-est, t'as une ligne russe. Attendez, y'a plus aucune autre ligne ennemie à part les canonniers. J'ai vu non, y'a sur leur camp, il reste une ligne encore au centre, pile au centre. Oui, c'est ça le plus Jean, tu vas. Waouh, le canon, il a besoin de toi. Ah oui, les 7 qui est derrière les rochers, c'est ça? Regarde. Il faut dire aux autres de reculer là, on n'a pas de vue. Non, mais regarde derrière toi, regarde derrière toi. Mais Gato, t'as dit à l'artificier de se retourner ou pas? Regarde derrière toi, dans le centre de la plaine. Ça va me tirer. Les skirmes. Skyhold. Ouais. Tu t'occupes de la petite ligne en bas? Ouais, mais c'est ce que je cherche. Mais je cherche un plan d'action. Bah, tu peux passer par la droite. Boulet. Ok. Elle te fait les skirmes, venez sur moi. Essayez de pas vous faire wipe juste avant la victoire. Dara, j'ai une proposition. Je descends, on va pas. Ouais, ok. Monsieur Ray. 14 secondes. Ouais, 10 secondes. Monsieur Ray, Monsieur Ray. Allez, regroupez-vous, monsieur, c'est fini. Robert, bien joué. Je pense qu'il a eu un malaise. C'est fini, c'est okay, fini, les gars, moi, bien joué. Avec moi. Ouais, bien joué, les gars. Ouais, bien joué, c'est fini. Non, c'est fini. On avait fait une belle tactique hein, sur la gauche, bordel. Hein. Dommage que la charge des greux ne soit pas passée. Ouais, j'ai eu un crash sur la fin. Ouais, on a vu. Darin complètement. Darin. Alors, moi, la deuxième et les grenadiers, on a vraiment fait le taf, je trouve. Ouais, j'avoue que là, ils ont pris cher la ligne qui était à gauche. Ça folle. Et. Bon, en vrai. On est plus. Oh non. Les Prusses. Les Prussiens. Les grenadiers à gauche, les grenadiers. Trace de map. Ah mais c'est en vrai Megato là on a des bonnes toi, de positions défensives. Toi de ton côté ah. Tu peux plus qu'avancer toi. C'est la map où il y a la tu sais il y a la route glacée là qui mène directement à leur camp. Ok. Rocher. Toi ton but ça va être de pusher là. Anarchy. Anarchy. C'était bien la fin surtout c'était très bien. Anarchy in game. Tu vois le gros caillou au centre. Oh là là. Pour les skirmes, on peut tenter d'aller au rocher habituel et faire un peu de repérage. Par contre, s'il push cette fois, on va se reculer direct. Ouais, ok. On va se faire avoir comme tout à l'heure. On va partir en plein sud, on va jouer agressif. Tu vas jouer les gars. On va essayer. En même temps, soyez. Elle est où la ligne, les gars? Jean, te mets pas en sortie. Mute, juste. Fais gaffe, mute. Alors, on peut quand même parler au cas où. Oui, je suis là. Parler en jeu, mais. Prépare-toi à opérer sur le flanc gauche. Ouais, sûrement en marche. Droit, flanc droit. Darnold, tu prends la lead. Avec moi, pas trop. La gauche, j'ai deux. Vraiment, t'entends. Allez, avec moi, au trop. Darin, je t'ai mis la cave en soutien derrière. Bon, je lague un petit peu, mais ça devrait faire Barnum. Si tu peux regarder, t'as expliqué. On joue agressif dans le lac, je l'ai. Enfin, dans la route. On va jouer défensif. Défensif. Rick. Ouais, je suis là. Tranquillement, décale-toi. Va te positionner pour supporter Darin sur le flanc droit. Cave sur le flanc gauche. Vous avez tout flanc droit, je crois. Double colonne. Ouais.
Oh shit, here we go again. Si les artilleurs peuvent aider le flanc droit, pour l'instant, toi, Fire, tu pousses jusqu'au bout, tu vas pousser. Je t'envoie la quatrième, j'enverrai la quatrième. Les artilleurs bien avancés. Non, mais n'hésite pas, Fire, faut avancer. Faut que tu rejoignes ce gros caillou là sur l'autre sans hésitation. On est déjà au niveau de la route. Ouais, mais remonte, tu sais, t'as l'énorme caillou là sur le côté. Va là-bas. En plein sud là ? Ouais. La cave est en sud-ouest si jamais. Ou plein sud aussi, hein. Ça va vous ? Ouais. Allez, formez sur ma droite. L'arty vise les grenadiers, je crois. C'est... Attends. Ça peut potentiellement. Je crois que l'arty vise les troisièmes. Donc de. Ils font le grand tour là. Ouais, et il y a toute la ligne ennemie, il y a juste la cave de ton côté Fire, donc tu vas pousser, tu vas aller vers leur camp. Bah allez, on pousse au camp. La cave, mais la ligne est à l'abri, je te rends le lead. À droite, la cave rotée vers le sud. Non, il a rebugué au deb. Je sais pas si vous voyez sa bouche. Allez, on fonce au camp, on bifurque au deb, les grenadiers, on bifurque au camp. Ils sont vraiment en plein nord-ouest. Ouais. Le but, ça serait de les attirer dans l'énorme lac gelé. Ok. Essaie de te positionner, Darin, justement, pour les pousser à aller sur ton flanc droit. Gauche, putain, je vais y arriver. Ok, ça va. Ils sont trop push, ils sont allés aux extrémités. Oh non, ça vient tirer justement nous, en ouest, en joue, sur la fumée. Essaie la plus proche de ta droite. Essaie de condamner ton droit. Très court, entendu. Je ramène le... Non mais ils sont très loin en fait, hein. C'est pour ça, c'est compliqué, ouais, ils sont juste derrière le sapin limite. Attends donc, un peu mon cher... Je commence à entendre des venez. Il y a juste une ligne au canon. Ah bah c'est à 232 mètres, voilà. Ok, tu les greux, vous allez au canon. Derrière moi. Cavalerie à droite. Il peut... C'est un de la troisième, qu'est-ce qu'il y avait avec nous. Odeb, plein nord-ouest, t'as une ligne qui te voit pas du tout. Oui. Tu vas te lever. Tricor, replie-toi. C'est Loupol qui est parti. Enfin, qui est parti. Je replie. Tricor, replie-toi. Non, plus loin, avance. T'es mort. Si tu restes là, t'es mort. Anarchide. On peut rien. Oui. Va tranquillement. On peut arriver dans leur camp en fait. On peut. Bon, allez, Tricor, je reste à la base de la colline. On peut faire leur artillerie, je pense. Non, non, t'inquiète, eux, ils vivent. Les greux vont y aller. Il y a une ligne qui sera dirigée vers nous. Tricor, recule-toi vraiment. On va commencer peut-être à faire. Le souci, c'est que moi j'étais mute. Le problème, c'est qu'il y a l'air tiré sur notre gauche. Une ligne ennemie qui a l'air de se tirer. Je vois que les greux s'en occupent maintenant. Vas-y, fonce. Je veux savoir où sont mes petits cavaliers. On est au centre. On s'est replié. Est-ce que je te vois ? On est juste à côté. Faites gaffe, Shiv. Il y a le canon qui a un angle de vue sur vous. Je suis au gros caillou du central. Rejoins-moi dès que tu peux, Shiv. Place-toi à côté des canonniers, il y a ton autre bout de ligne qui est plus sur la droite. Samy, tu peux faire quelque chose sur les lignes qui me tire dessus. Il va le faire, c'est bon. Enfin, on est en train de le faire. Attends, à droite ça peut charde. Hein. Regarde en sud-ouest, Shiv. Je suis sur le gros caillou central. Allez, push les hein, au débat, n'hésite pas. Attention, est-ce que je peux tenter push, les canons sont désactivés. Ils sont passés où, Fire? Ils sont remontés au niveau du camp. T'as dit quoi, t'as un énorme push russe. Voilà, je te le dis là, ils arrivent. Sur la droite ? Bah, sur ton. Monte là où je suis, Odeb. En face de toi. Oui, oui. Là, reviens un peu plus vers le sud. Je suis sur le gros caillou. Attends juste que les grenadiers finissent le combat. Ouais, j'attends. Attendez, ils vont former. Mettez-vous à couvert. Merde, c'est des skirs. Repliez-vous. Ok, je t'autorise l'ordre de feu, Odeb. Replie-toi jusqu'au camp, hein, sinon t'as rien. Utilise l'arty. Hein. Fume l'artillerie, y a pas d'alliés sur l'artillerie. Ok. Est-ce que je peux tenter une manœuvre de flanque depuis le centre ? Non, j'ai besoin de toi sur la droite pour counter les skirm adverses. Je vais essayer à Skyhold d'envoyer la cave flanque, mais ça. Au pire, Skyhold, t'es sûr de toi là ? Bah en fait avec l'artillerie est tombée hein. Odeb, c'est bon, c'est fini, tu peux venir. Je pense que je peux passer in extremis. Ah enfin. Comme l'artillerie est en train de passer côté. Moi tu peux y aller, Omegato, je veux des ordres, on a fini avec rapproche de moi et alors Shiv. OK, du coup putain on parle in game frère, je t'entends quasiment. Attendez, l'artillerie peut sur la droite, faites gaffe. Tu vois l'énorme ligne en face de nous qui vient de faire feu. Oui. Il faudrait que t'ailles les flanquer.
putain la vache. Mais par contre, la première fois qu'elle se retourne pour taper des cavaliers. Cavaliers, genre vous vous mettez à 30 mètres, vous descendez à l'abri, vous les skirmez et puis vous rebougez derrière. Ok. Ok. Allez, je compte sur vous. Allez avec moi, galop. Fire, tu me pousses ça rapidement. Ouais, ouais. On avance, on avance. On va aller derrière l'orcule. Attention, cavalier, attention. Attention, Skyhold. Fire, il y a une ligne qui va se former devant toi. Là où tu vas, il y a une ligne. Oh là, attention, on Fire, en face de toi, il y a la ligne des 12 phoenix qui revient. Elle est, ouais, elle est sur la colline. 80 mètres, un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai envoyé. Oh putain, j'ai essayé d'envoyer les cavaliers, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On est tombé sur une ligne ennemie entre temps. Fallait passer de l'autre côté, les gars. Mais on n'a pas toutes les infos. Ok. Bon, tant pis, 10. Ouais. Essaye de sauver ton homme là. Essaye de sauver tes hommes. Ouah, ça a fait mal. Ouais, on s'est pris cher. Oh la putain, la vache. Ah là, en fait, on peut flanquer la ligne près du spawn. Et halte derrière le rocher. On a un visuel sur la ligne qui vous flanque. Il était bien formé. Allez, Chive, en passant là par la rivière, par la rivière gelée, ils sont en haut de la colline en plein ouest. Allez, continuez, c'est votre ordre de mission quand même. Ok. Allez, au galop. Attends. Ne monte pas. Non, cherche les justes et descends pour que les canons puissent avoir un angle. Attention, Chive, ils vous ont vu. Hein. Je joue safe avec tes caves. Ils se séparent. Ok, il y a deux lignes. Ouais, non, mais c'est plutôt deux lignes, je pense. Oui, c'est deux lignes. Tu veux... Franchement, il faut que tu te replies, je pense. On va reculer. Dans la situation de ton côté, est-ce que ça s'est créé? Autant qu'on reparte au camp et qu'on utilise la batterie, la position en hauteur. Les canons font en sorte qu'ils pushent pas, mais ils ont des renforts qui arrivent et ça va pas tarder à pusher. Et vous, votre endroit, vous pouvez pas pusher? Ouais, Steve, utilise le terrain là pour essayer de. Ah, fumez les fumes. Tu peux pas essayer de push, toi, Dara? Ils se sont arrêtés dans la rivière, attention les gars. Ouais, nous on est serpillés au canon. Ouais. Et reforme par là, Odep. On va être coupé en deux, Fire. Ah ouais, non mais. Les canons tombent. Les canons vont tomber, il y a des skirs mais deux lignes. Non, on fait pression. Ah, vous êtes là sur la gauche, okay, nickel. Ouais, on est sur votre gauche. Fais gaffe, il y a une ligne qui arrive un peu plus à gauche que les autres. Elles vont. Ouais, j'ai vu, mais ils vont au spawn, donc c'est pas important. Non, elle vous vit. Fire, tu t'es replié où avec tes lignes? Au camp ennemi. Bah, il va falloir que tu te déplaces, mon petit, parce que là, ils vont pocher par le centre. J'ai que deux cavaliers hein, pour les ralentir. Tu vas te faire encercler. Ouais, Fire, il faut que tu repartes sur la route gelée, mais il va falloir que tu élimines d'abord la première ligne qui va être en contact avec toi. Chiv, n'hésite pas à te rapprocher hein, en restant à l'abri, là t'es dans un bon terrain pour ce genre d'activité. Et une deuxième ligne qui est derrière la butte. Est-ce que je peux tenter une opération risquée? T'as rien dans la rivière, t'en as qu'une, Chiv. T'inquiète pas, l'autre elle s'est arrêtée sur le. Elle est en train de se déplacer. J'en vois trois qui sont en train de bouger là. Trois ou deux? Moi j'en vois que deux. Moi j'en vois trois. Skyhold, ils sont en train d'avancer. Passe pas par les hauteurs, Fire. Passe pas par les hauteurs. Fais passer par les contours des. Chiv, essaie de couvrir la retraite de FireEyes avec tes hommes en skirmant. Surtout que je les ai pas vus, hein, donc je peux pas juger. Ils sont à 70 mètres, 80 à peu près de nous. On est en train de gagner, prenez pas de risque. Ouais, souci, 20 secondes. Allez, Chiv, allez. Attention, ça sera un peu plus vers le centre. Dommage, Barnol. 4. C'est bon, on s'est planqué. C'est bon, 2, 1. Allez, Alder. Bien joué, les gars. Allez, General Ahmed Toby. Bon, c'était un sacrifice un peu inutile pour moi. Ouais, mais bon. Tout va bien. J'ai pas compris où vous étiez fait fumer la deuxième. La deuxième se s'est fait fumer en fait quand ils sont arrivés face à l'énorme ligne des phénix qui s'est pointée ouais, on avait... en haut d'une colline. Ils étaient bien formés.
Et puis bam, ils attendaient que ça, hein, que tu que tu sors de, du derrière le caillou. Oh tant pis, c'est pas grave. Ouais, mais bon, c'est bien tenté, ok. Le terrain est traître. Et le Gonadier. Ah putain. Ouais, mais c'est pas avantageux non plus. Hein. Bah, de ton côté, Fire, ça va être très avantageux pour que tu pushes. Je te rappelle que c'est ce côté où les ennemis ont enfoncé le flanc. Ah oui. Ouais, ok. Je veux mon reste en défense. Je peux pas m'envoyer une ligne qui tire avec plus que les greux. La seconde, la seconde. Genre la première. On va voir, mais. L'anarchie de va essayer. Merci de Mateka. Ah là là, c'est shit. Ta gueule. J'ai essayé de commander le centre. Désolé pour ce genre d'action. Mais... Non, je pense qu'on va raser la map et on va vraiment détruire leur flanc. Non, les skirms, tu time. Tu time moi, et tu peux j'aime plus la bite. Les skirms, il faut que vous restiez entre le mid et le côté droit parce que comme ça vous pourrez supporter. On va tenter de faire un drill. La bite tous les matins. Pardon. Shiv, oui. Tu supportes l'attaque de FireEyes. Ok. N'hésitez pas à skirm, les gars, vous êtes des skirm à cheval. Je pas du tout. Très bien. 1, 2, 3. Allez, on va soutenir FireEyes. 6. Non. Ouais. Allez, il est en décolle. Il est où? Ouais, alors, Will, tu peux déjà poser la boîte sur la colline en nord, s'il te plaît. Donc je suis Darin, du coup, moi, c'est ça. Ok, d'ailleurs, tu restes qui centre avec moi, Anarchitech. Avec la flèche en réserve. Speedfire, c'est le meilleur. Alexandre, c'est le doigt. Le maire de la première. Allez, c'est parti. Vous restez derrière nous pour l'instant. Vous avez au cas où si elle a KVM. Du coup, j'avance pas trop, c'est ça. Le but, c'est que t'avances et que tu nous couvres tout ce qui arrive à gauche. Anarchie. Anarchie, tu restes centre. Tu restes là, Anarchie. Hein. Tu dépasses pas cette petite colline. Hein. Rick, pareil, avance jusqu'à moi, s'il te plaît, avec ta compagnie. Je sais pas où tu es, je te mets dans 8, Rick. Donnez-moi un coup de main. À droite, droite. Ouais, j'ai vraiment personne. Donc, Anarchie, sors et fume-moi les lignes. Cave à droite. Ouais, avec cavalerie extrême. Allez, sur moi, messieurs, formation à droite. Ok, alter de tour gauche. Toutes les lignes que tu vas voir, tu les fumes. Ah, ma gueule. Je vais en faire du jambon de fumée. Allez, faites une double ligne plus correcte, s'il vous plaît. On est tout seul. On va prendre des positions défensives. Tu prends la première ligne pour l'instant, tu restes avec moi. Si t'as des opportunités, des tirs, tu les prends. Ah, comme ça. Au centre, Anarchie, dernière. On ralentit. Allez, première ligne debout. Restez avec moi. Ok, je vois le mouvement des lignes ennemies. À droite, ouais. Ils sont tous à droite. Ouais, ils sont vers toi. Rick, attends. La cave extrême droite. Ok, on a une grosse ligne à gauche aussi, Il y en a pas, il y en a pas qu'une. On va pas chercher à comprendre, on va se mettre au niveau du spawn. Retour gauche sur moi, les gars. Ah non, vous venez du coup. Ah bah non, mets-toi au niveau des rochers, il y a les autres qui se ramènent. Ok. Rick, tu te positionnes là. On va essayer de les ralentir avec les skirms. Il faut vraiment que vous. Il faut que vous restiez à droite au pour essayer de leur bloquer d'arriver. La cave est juste en face. Ils sont formés derrière les rochers sur notre droite. Ok, mais méchants, sûrement en marche. On va se faire charger par la cave. On va avoir besoin d'aide, la gueule. Ok, les gars, Rick. Tu veux que je te tourne une ligne vers toi ou pas? Okay, c'est pas trop tard en fait. Nord, c'est nord, chaud, mais... la première. Nord-nord-est. En est. Bah, ouais, en est. En est. Rick. En est, oui. Et là-bas, derrière, c'est ça. Rick. Le rechargement avec moi. Allez, en joue. Regroupe ta compagnie, va te décaler un peu plus sur la droite, dans la rivière. Nord-est. Toi, ton but de crack, c'est qu'il bat la colline qui est juste derrière le caillou. Ouais, du coup, en fait, ils sont vraiment. Ils sont passés au niveau de là où il y a des skirms. Donc. Bah, ils sont à ce niveau-là. Donc, tirez au pied du sapin. Ah, tu l'envoies du coup. Mi-sapin. Et okay. Les skirms sont morts. Ah, donc il reste plus 3 skirms. Mais... Ah, du coup, le camp est free, donc là il. Moi je suis bien que les indications, ça je suis pas d'amis. Anarchide. Oui. Allez, suis-moi. Dès que ta ligne sera rechargée. Allez, sur moi, carte tournée gauche. J'en redécale la 4ème un peu plus vers le camp. On n'a pas de position. C'est quel round celui-là? C'est une très bonne position pour tirer. Troisième. Au niveau du camp? L'a fait déjà. Ou juste à l'extérieur? De son côté. Ou alors il veut absolument construire. Deuxième solution. J'ai pas le temps.
Ok, Anarchide, viens. Okay. Ça va devenir une guerre d'usure, Megato, de notre côté. C'est pas normal. Allez, Anarchide, tu vois ce petit caillou devant, ça va être ton Je prépare une position défensive au niveau du spawn avec des sacs. Car à ton gauche, mais si eux disent bonjour, je t'ai sauvé le côté d'un. Voilà. Joue, vous les voyez, il y a des roches là, j'ai vu ça. Et feu. Le canon, ah, la quatrième et tes lignes. Attends, plus à droite, plus viens. N'hésite pas à trop plier davantage, parce que là, ils vont avoir un avantage. Moi, j'ai plus de copains, voilà. Viens, on s'enfuit. Viens, on fuit comme des lâches. On est bien à gauche, sauf qu'on n'arrive pas à passer. Il y a deux grosses lignes. Commence à reculer, parce qu'on va être coupé en deux, sinon. Ok. The Crack, tu recules aussi. La cavalerie aussi, vous reculez. En or, sur la colline. J'ai replacé Eric pour qu'il puisse tirer sur une. Je croyais qu'ils étaient plus loin. Parce que là ils sont derrière. Oh la vache, oh c'est l'exécution quoi. Par contre, Cricor et Kirikoukou, il faut vous placer, pas genre. Faut qu'il y ait une couverture à un moment. Vous êtes vraiment apte. Ouais, c'est pas vous, mais ouais. Oh putain, jusqu'au camp derrière, toutes les lignes. Si on se barre au camp, on s'arrête avant. Oui, surveille notre cul, Fire, surveille le. Non, t'inquiète pas. L'arrière aussi, hein. T'inquiète pas. T'as une énorme ligne là qui te fait feu, il me semble. Je poserai la question quand on va prendre des positions défensives pour qu'on ait toute la gauche en visu. À gauche du sapin, semi. Le canon, juste sur la droite. Non, semi, place-toi pas. On est. Non, on voit rien. Vous voulez pas embusquer les grenadiers dans un arbre couché, sans que s'ils nous reviennent dans le flanc gauche, vous puissiez les surprendre au cac? Suis-moi, Rick. Là, tu vois, au niveau du buisson tout au. Ouais, ok. Allez, suis-moi, Rick. Au niveau du rocher. Attendez que ça ressorte. Retenez le tir, c'est en nord-est-est. Reste à droite, ok. Nous, notre flanc, c'est la droite. Il faut que tu restes à droite. Anticiper tête de flèche. Attends, tranquille, Rick. Reste tranquille. Ok, reformer la double colonne. Ok. Tu vas essayer de te positionner là. Je t'envoie les cavaliers sur le flanc droit. Tu remontes un petit peu la colline. Et là t'as une ligne en plein nord-est. Avec moi, demi tour droite. Genre tu vois leur combo. Oh la vache. Le canon il a pas la vision. Oh le rebond. Ah l'enflure. Ça le rebond. Bien joué à lui. C'est la seconde. C'était la deuxième, ouais. En face d'abord, de toi, Rick, en face là. Allez, en face, en jeu. Ah, t'as le gros pâté qui sort à ce moment. Ils vont se faire charger par les cavaliers en plus, la deuxième. Ah, merde. Vous avez un navigateur? Non. Allez, Fire Ice. Au niveau de la crête de la colline. Derrière sur Fire Ice. J'ai pas touché, mais ils ont touché évidemment, donné vos indics. Allez, on les tient en joue, ils sont toujours là. Je suis obligé de recharger. Ok, formé derrière moi, on va faire des éventails. Il ressort Rick. Et éventail droit. Ah, mais c'est le canon là, il a fait le nord-est, juste derrière la colline. Oh shit, avec moi. Ouais, flanc gauche est tombé. En marche. Il reste plus rien de stable. Simple ouais, banane, les gars. Ils jouent très défensif, hein. Il faut qu'on arrête d'avancer. Non, eux, côté droit, il n'y a plus les ennemis. Côté droit, ils sont move, ouais. Ils sont move vers le centre. Ils nous ont détruits, mais ils ont. Ok, j'ai move alors en conséquence. En nord-est. Les greux, ils sont encore planqués. C'est le principe de cette formation, c'est de. Merde! Ah, ça fait mal. Ok, volte-face sur moi au pas de course. Ouais, là, leur canon. En fait, ils sont tous passés sur la gauche. Ils sont tous passés. Tant qu'on vous avez. Il faudrait éviter de foncer sur les canons avec une double ligne. Honnêtement, la deuxième, elle est pas trop faite pour attaquer. On l'a pris de loin. On est pas parti sur les canons. C'est vraiment un rebond. La map, on s'est fait choper par le canon. On avait fait la vision directe. Regroupez-vous tranquillement. C'est zéro chat. En gauche, non, mais on avait pas pris. Ah, mais ils ont chaté. Mais en plus c'est le mercenaire qui attendez, je pensais que vous aviez attaqué, vous étiez plus. À toutes les compagnies sur ma droite, on va essayer. Est-ce que vous voyez la cible nord-ouest, 2-3 mm au-dessus de la tête. Reformez bien. Donc commencez un mouvement de repli, on va abandonner nos canons un petit peu là. Allez Rick, Anarchide. On va limiter les pertes. Surtout que les canons sont en train de défoncer les canons. Ouais, la grosse formation de Phoenix qui sont à gauche.
Ils se déplacent tout sur nord-ouest. Donc anarchie de comportement CH. On joue au moins 3 mm. Oui, décale-toi plus vers l'est. Ça ressort à niveau de là. Vers l'est. Allez, Dara, vas-y. Ça ressort rouge, il faut que vous tirez sur la partie gauche de l'arbre. Et feu. Pareil, Eric. Ouais, là, le flanc gauche, ils vont arriver, ils vont commencer à arriver. Ouais, non, mais c'est des lignes de 25. Ouais, bah tant mieux pour les canons, c'est mieux. Allez, derrière les chevaux de frise, messieurs, formez derrière les chevaux de frise. Allez, ah, t'es en temps gauche. Allez, flûtiste, redonne du cœur aux hommes. T'as encore deux cavaliers. Bien entendu. C'est la cavalier. Hein. Allez, la cavalerie, skirmez avec nous, les gars. N'hésitez pas à skirmer. Malheureusement, Pepito qui a repris le lead. Mais il est sûrement en marche. Ah là, il est parti en charge contre les skirmes. Il est parti là. Ah, il peut tenter un kill. Attends, bah, il va peut-être les ralentir. Plus à droite, s'il vous plaît. Il faut qu'il fasse juste, faut qu'il fasse juste un kill. S'il fait un kill, on peut plus tirer. Vous les voyez là, 2 mm au-dessus, 1 mm. Et voilà, eux ils peuvent plus charger non plus du coup. On peut toucher peut-être la chute, mais. Remettez-le. Vous tirez à l'artillerie. Je vais devoir. 40 secondes, mais. Jouez ça, c'est meilleur. Allez, faites rattraper le score. Essayez de rattraper le score. Attention, c'est compliqué. Un seul tir. Allez, The Burnall. Il y a une grosse ramée. Il y a une grosse ligne qui forme nord-ouest. On joue. Vous les voyez, ils arrivent. Faut mettre de la grappe dans l'artie. Ouais, ils vont charger. Allez, 15 secondes, faut tenir. J'ai fait tuer par eux. On va charger les gars. Attendez, on va charger. Ah, et c'est bon, je vais encore faire un tir. Direct, on a bien rattrapé quand même. Attention, ah oui. On est à 13 kills de différence avec eux. On a bien un trou nul à chier au corps à corps, c'est fini. On aurait dû les charger depuis le début. Ouais. C'est vrai en plus, hein. Mais bon. Je sais pas quelle ligne à FIC, mais attention les gars. Ouais. Je l'ai vu à la fin. Ah, pleine herbeuse. Pleine herbeuse 2. Quelle ma favorite. On déjà en connaît. Oui. Ah, ok. Les grenadiers de chaque gauche, les grenadiers. Zizi de cheval. Bord de map. Shiv. Bah alors, The Craig, est-ce que tu kiffes ta LV sans tirer? Alors. Franchement, on kiffe à mort. Par contre, tu fais quoi avec ce skin? D'abord. Bah, comme ça, j'ai une baïonnette. Et alors, tu prendras garde côte la prochaine fois, c'est ça le rôle. Chic. Je suis limite pas envie d'avancer sur Fus. Ouais, Pepito, tu restes en réserve. Le TK. Ouais, ça, c'est bien sûr ordination à chef de bataillon, non? Oui, je pense qu'ils vont devoir chanter aux promotions. Non, mais c'est quoi le plan? Non, ouais. Ça, c'est une punition, pas deux, hein. Engueulez votre chef de compagnie là, il est insupportable. Ouais, tu veux qu'on fasse quoi, Megato, du coup, sur ce map? On joue offensive à gauche? On resserre la rivière et on regarde pas mal de fortifications profondes. On peut construire des trucs périphérie du camp. Monsieur Ray? On va foncer et on les bat à l'intersection de la rivière. J'en mets derrière moi. Prochain kit de Megato, qu'est-ce qu'on fait? Positionnez-vous tranquillement pour couvrir notre ouais, flanc. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Voilà, ça va être en plein ouest. Flanc droit, par contre, t'as rien. Tracé. Non, ne bouge pas encore des canons, ne bouge pas encore des canons. Ouais. De toute façon, on va quasiment pas bouger du sport. Un petit peu fatigué, ouais. Quoi? Anarchide sur moi en marche. Anarchide, oui. À l'arbre, le bon à l'arbre. D'accord, sur moi en marche. Arrête de faire tourner Naruto, toi. Et au pas de course, ça charge. Rétrogradation. Rick, tranquille, reste okay, tout le temps, Rick. Ok, sur moi, pas de course. Ça va, Rick? La cave. Arrête, c'est bon. C'est qui vit de la cave aujourd'hui? C'est moi, laisse-le. Ok, Pepito. Ça a l'air de pocher à droite. Oh, comme c'est étonnant. Au centre, et tu skirmes. Ouais. Dès que vous voyez des ennemis se rapprocher, c'est bon, il y a une grosse ligne à gauche. Il y a un petit rollback là. Il y a Folter Creeper. Tu tires et tu te barres. Cave à gauche, cave à gauche. C'était avant qu'il fallait dire. Je peux tenter un ou deux tirs avec les skirmes avant qu'ils arrivent, puis je me replie.
On va faire des petits tirs en skir, mais on va se replier. Je prends un ou deux tirs avec mes skirs, mais je roche. Ok. De ligne vers toi, Fire. Pardon. Mais Skyhold. Reste en haut de la rivière. Je m'en replie. Replie-toi rapidement parce que tu vas. Ouais, tu vas pouvoir bien les faire. Ouais, je sais. La cave, faut qu'elle se replie aussi. Hein. Oula. Utilise les cailloux au centre de la map, Pépito. Ouais. Ouh. Soit à l'abri. J'ai pas envie de. Non, mais on va se barrer. Attends. On va se barrer, y'a déjà une ligne sur nous. Il est où mon ami Rick? Juste derrière. Au fond, ouais. Commence à te décaler vers le front de FireEyes à gauche. À gauche ouais. Ok. Il y a pas mal de lignes. Première compagnie, quart de tour gauche avec moi. Est-ce qu'il y a une, faut que tu te tires. Hein. The Crack, désactive-moi ces canons, s'il te plaît. Y'a personne qui peut me défendre d'ici? Non, y'a personne qui peut te défendre. Il faut que tu te tires vraiment. Hein. Mm. En fait, y'a pas de couverture pour qu'ils puissent te défendre. Ok, ok. Pépito. Okay. T'as général? Y'a, yeah, je t'entends. Oui, in-game, in-game. Je t'entends. Là, viens là, viens là, viens là, viens là. Rechargez vos mousquetons. Y'a, yeah, y'a. Yeah. Vous longez l'arrière de la map là. Là-bas, par là-bas. Formé à gauche. Vous passez la rivière, tir vous essayez au niveau de mettre sous gauche, l'arbre. Il se déplace, celui, ils sont en plein nord-est. Et, est. Dessous. Et si c'est trop chaud, plus moi, est maintenant. En marche. Okay. En marche. Avec moi. Utilisez vos dada comme couverture, hein, quitte à vous, ce que vous restez oui, à oui, pied. Évidemment. Juste sur notre droite. Attention, ils sont en train de former sur la droite maintenant. En bas de course. La troisième, c'est risqué. Hein. Votre position est sous l'artillerie. Tenter de tirer à partir d'ici. Mais et je me replie sur le camp. Le long des gabions quasiment. Attendez, je peux retirer la caisse. Passe de crack. Où ça. Je sais pas si on peut tirer au-dessus. L'artillerie. On peut tirer. L'artillerie de l'autre côté. Mais en jour. Je t'aurais dit. On a fumé au niveau de l'arbre. Sur moi, sur moi, sur moi en marche. Feu. C'est formé. Et en recul maintenant. En recul. En recul. Rechargez pas. Reculez. Anarchide, tu vas être un peu un poil sur ta droite. Hein. Ils étaient déjà placés. Ouais, mais ils étaient en train qu'ils étaient en mouvement. Allez, en fait. Pas de charge, en reformant, pas de charge, vous rechargez. Bah, ils se sont formés quasi en même temps que toi. Ils se sont formés sur ta gauche. Reformés quand même. Ouais. Oui, nous, on est dans la rivière. Et rechargez. Ils nous prennent. Reformés avant de tirer. Allez, feu. Feu, feu, feu. Fulim. Je touche tout le cas. Allez là, croisez la baïonnette, fumez les moi ces salauds. Je back de lag Omega Top parce qu'ils sont sur moi sinon je prends des. Sauvez pour vos deux. On va se sauver. Je te place sous les ordres et on va raconter ça à nos familles. Pardon, qu'est-ce qu'il y a? On est mort. C'est la 4. On passe à la salle. Va pas moi en tout cas. Ok Eric, tu peux tenir, toi t'as suffisamment d'hommes. J'ai 4 sous vous. Le flanc gauche est tombé Omega Top. C'est fou, il y a Eric juste là. Il reste un round normal Rick, ou dans, c'est reste un dans la réalistique rivière. Après c'est le réalistique après. Ok, parce que le flanc gauche... J'ai fait une ligne en plein nord. On a une ligne de défense, mais elle est fragile sur la gauche. On voit pourquoi on a dépassé la rivière. Ouais, on aurait peut-être dû rester... S'il y avait les canons qui tiraient dans la rivière. Ouais, ouais, on aurait dû reculer. Il y a plus à couvert derrière. Ouais. Et qui est tombé sous pression. Il y avait le canon. Attends, Rick, tu fonces bien dessus. Non, reste. Je suis mort tu d'arrêt. Tu longes la rivière. C'est compliqué. J'ai pas de visuel direct. Tourne à gauche, je sais pas où ils sont. T'inquiète, tourne à gauche. Tu vas longer l'arrêt, tu vas aller où? On va essayer une autre tactique sur cette map la prochaine fois. Bien joué. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé avec les grues du coup, ça craque? Ok. Alors, sur mon ordre, l'artillerie... Ok, regarde en est l'artillerie, maintenant. Tirez-vous. Tirez-vous vers le plus à gauche possible. Je te mets pas à découvert. Les skirms qui tentent de push vers le spawn. On recharge. On joue. En face de nous toujours. Ils sont pas là. Ils sont juste en dessous de la colle, en dessous de la butte. Tu vas aller voir, ils montent. Tu vois, ils... Du bas, okay, est-ce que je peux tenter de déjouer des skirms avec mes skirms? Anarchie, replie-toi, Anarchie. Bah, pourquoi il dit pas ça à moi de droite? Allez, sur moi, en marche, les gars. C'est bon, il y a l'artillerie, tu voulais leur dire quoi? Artillerie, replie. Donc, les artilleurs, repliez-vous bon, bah, au fond de la map à gauche. Okay. On va les laisser investir le camp. On va les faire, okay. On va les pousser à sortir de cette rivière là. Reformer droite. Ok, ok. Formez à ma droite. Ah non, t'es mort, Anarchie. Il y a le mur. Ah non, merde, gauche, oui.
Oh non, ouais. Il fait tout l'inverse, mes majas. Pourquoi il y a une ligne qui pêche sur la droite? Montez mes majas. Ça marche. Attendez, je vais... En quatrième vitesse. Le canon, il vous vise pas. Ils vont passer à gauche du caillou, à gauche du caillou, Rick. Rick, le canon, il vous vise pas encore, donc c'est pas encore une menace. C'est un ordre d'en haut, il faut reculer. Ouais, bah je suis pas dans le channel, c'est pour ça. Il y en a un plus au fond encore. Le canon vous vise. Le canon vise Rick. On va le laisser. Et il est chargé le canon, Rick, il va tirer sous peu. Il y a le canon qui te vise, bouge. Ouais, au niveau des rochers, enfin ouais, je crois. Ouais, t'as loupé. Bouge, il y a les canons qui te visent. C'est bon, il bouge, Je me rabats sur le centre. Ouais, tu te rabats sur le centre et c'est bon. Les skirms et les cavaliers essayent de rester dans le pied pour les ralentir quand même. Le temps que les sportifs se positionnent. Il va se positionner, frère. Rick, on peut faire tirer dessus. Ils sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir de la rivière de moi. Sur ma droite. Parfait. Thomas, droite, Jean-Kirm là qui sort. De l'autre côté. Et sur au niveau du coup, et feu. Allez. Joue. Est-ce qu'un peu plus sûr? Start auto, Rick. N'hésitez pas à vous mettre bien bas au niveau des rochers, au niveau des pieds là, reculer un petit peu, vous pouvez vous mettre plus haut. Et t'es là? Pardon. Spitfire. Mon Spitfire. Je viens de tomber, c'est Spit qui vient de reprendre. Bah, mon pleur. Sur des alliés là. Non, préparez le tir sur ce qui est sur moi. Darin, on prend la quatrième. Elle est où la quatrième? Elle est juste derrière toi, elle se barre, je sais pas ce qu'elle fait. Elle est morte. Ouais, t'inquiète. Positionné à gauche du canon et qui bouge plus. Là, toutes les lignes. Ouais, non, nous, le flanc gauche, Rick aussi, Light Burrick, à la route prochaine. Ok, vous avez fait un job. Attendez, je prends celle-là, je me fais un petit plaisir. Tirez au niveau des. Qu'est-ce qui se passe sur ces deux dernières rangs, bordel? Entre Nord-Est et S et feu. Le canon il fait trop mal. Hein. Ouais, alors la ligne sur le. J'ai du bas-tête. On n'a pas vu la ligne. Ouais, pareil. Bon, les cavaliers sur les fortifications. Fortifications. Ouais, bah il est mort et puis Phil a parti. Non, je suis mort aussi, moi. Oui, non, mais j'ai mis dans le chat, hein, tu meurs. La ligne de Rick est tombée aussi, Omegaton. T'aurais dû me le dire. Après, est-ce qu'ils sont prêts, je crois? Enfin, ouais, enfin. Bah ici oui. Le corso mais pas. Ah l'esquire peut en plus tirer. L'esquire peut en plus tirer. Bah l'esquire en ennemi peuvent plus tirer. Au niveau du bassin et feu. Il y avait une ligne formée. C'est quoi ce boulet? Ouais, je sais pas. Bah c'est Gabion qui a tout arrêté, hein, comme d'hab. Omegato, est-ce que je peux tenter un flank? Oui, mais tu feras gaffe au centre, il y a des lignes. Non, moi je suis mort. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Des hommes dans la campagne? Tu peux pas se calmer tout seul, Corso. J'attends qu'ils rechargent tous. Attention, le canon ennemi vous a dans la. Dans la mire, mais t'as 4ème. Pourquoi on a un RRCG avec nous au fait? Pour la balance, encore une fois. Allez, c'est parti. Vous voyez là-bas ceux qui sont en train de sortir en presque nord-est. Souhaitez-nous bonne chance. Et. Ok, on va voir. Et Amadeus, putain, je me fais tirer dans le dos à 160 mètres, quoi. Y'a un mec qui nous cherche tout seul, c'est moi là. Ok. Putain, on est vraiment en train de faire la campagne de Russie, quoi. Au niveau de l'arbre, au niveau de la tête et feu. Arrête au feu, je suis tous. Y'a un avance, quand même. Y'a une ligne. Attention, on va jeter devant le canon. Le canon, même des bilos. Au niveau du corps. Oh, il fallait jamais dire. C'est quoi ce Rambo? J'en sais rien. Feu au niveau du camp, c'est quasiment pas des pratiques et feu. Ah, il chargeait depuis tout à l'heure, putain. Il s'est planqué derrière une palissade. Hein. Putain, The Crack qui a donné l'ordre à. Dis pas de bouge, dis juste fais un peu en arrière ou un peu en avant. Ça sera plus. Ah, t'as une ligne derrière toi et devant toi, Esquirme. Moi je suis mort, je peux plus. Ah, il peut plus tirer. J'ai qu'un mousse au canon, il va pas faire beaucoup de dégâts malheureusement. Et feu. Il est pas génial. Au moins il a la bonne hauteur maintenant. Ah mais il y a quelque chose qui nous a échappé là, c'est pas possible. Quelqu'un prend le commandement d'une seconde. Toi aussi t'as des gens RP chez toi en fait. On est mort. Est-ce qu'il y a des boys? On est sur votre gauche. Oui, il reste à 51-80. Yep. La fac. Oh là là. Ah, on va se voir à la Pyrrhus ce soir. Hein. On a gagné? Non, non. En fait, on a fait 50%. Bon, je repose la question. Il y en a qui veulent lead la réaliste. Moi, ça me dérange pas, comme d'hab. Mais s'il y en a qui veulent. Alors, en fait, gaffe, moi, je veux bien. J'ai jamais pris. Très spécial. Moi, je peux toujours te seconder. Toi, moi, je veux bien lead. Bah, allez, est-ce que tu lead, Omegato? C'est une map très spéciale. Est-ce que tu peux faire un porte-drapeau? Est-ce que je peux lead? J'ai jamais fait sur une réaliste. Vas-y. Cricor, okay, tu peux prendre 20 hommes.
Merci. Wow. Est-ce que je peux spawn par drapeau? C'est défense de fort en fait. Non, non, c'est une ville. Oh non. Elle est où la sortie? On sort du fort. Quelle porte la sortie? Qu'est-ce que tu nous as branlé? Redescendez, ouais. Si vous, ceux qui montent, je t'ai tenté un truc. Ok, double colonne face à moi. Je veux 20 tonnes face à moi, 20 tonnes. On respawn en quoi en fait le spawn? Ah, la fameuse. Il y a besoin de beaucoup d'officiers ou pas? Bien joué, messieurs. Allez, on se dépêche, double colonne. Double colonne ici aussi. Allez, formé. Double colonne, double. Et l'uniforme pour tout le monde principal, c'est de la ligne. Bougez vos uniformes de. Ok. Allez en marche, j'ai dit. Allez, ceux qui sont avec moi là, et c'est en marche. Allez, mais attends, mais en vrai, c'est archi stylé. Oh mon dieu. Ok, halt. Double colonne face à moi. Rejoignez les autres. Allez, reformez une double colonne. La prise de la Bastille. On se dépêche, on se dépêche. Reformez double colonne, c'est parti. On a les 4 derniers là. Allez, changez de ligne. Passez dans l'autre pour équilibrer. Vous êtes trop je pense. Bien fait, 4 dernières. Attends. Voilà. Thierry, je me suis fail. Hein. Les gars. Oui. Les gros, ils tirent ou pas? Ouais, t'as le droit. T'as le droit. Mais c'est quoi ce. T'as copié-collé des maisons? J'ai chopé la map sur le Discord le workshop. Repérez ma voix, ceux qui sont avec moi là, je suis en train de sauter. Ah, mais attends, les anglais, ils sont là? Sûrement en marche. Les anglais, ils sont dans la forêt derrière la ville. Putain de merde. Mais tu te rends compte que ça va juste. Ça va se stomp à 20 mètres en fait. Combattre. Ils sont où les anglais? Bah vraiment, vous attendez, allez je vais partir derrière la ville dans la forêt derrière. Oh, ouais, je suis en vision de drone, c'est particulier comme. On a pas de route, on avance en marche. Pas de route. Bah en fait, tu veux que ça se batte dans les allées en fait. Oui, ce Barnol, arrête d'être moche s'il te plaît. Alors en fait, je crois que ça va pas se passer comme ça puisque vu des mouvements ennemis, vous allez pas vous rencontrer si vous continuez comme ça. Ah si. Ouais, bah. Ils ont tourné. Donc prévoyez le spawn ennemi, il est où? Il est où le spawn ennemi? Dans la forêt. Ailleurs, tu vois quelque chose? Vous voyez les deux pâtés de maison? OK, si, ils sont en plein nord, plein nord nord-est. Ouais, ouais, ok. De la merde, cette ils sont vraiment au bout de la ville tout à gauche. J'ai des serveurs, on se pourrait être sur le toit là. Ça serait bien. Ils ont fait 3 lignes. Je suis pas de conneries. Ils ont déjà formé. Là, en fait, t'as un gros visu sur ta droite. Et ils vous attendent. Attends, halt. Vous avez le droit de courir pour attendre. Ce sera plus en est. Voilà, vous me voyez au fond de l'allée là, les officiers? Je me suis mis en caméra à l'île, ma droite. Ils sont exactement à ma droite. Semi avance jusqu'à FireEye, sur la rue, mais en ligne. Silence. T'as un truc en gâteau. De toute façon, dans les rues, il vaut mieux se déployer en ligne qu'en deux colonnes. Alors, Semi, avance par la gauche, Semi, avance en plein nord. Semi, ta ligne ne va rien rencontrer. Oui, avance en plein nord. Mais attends, je vais donner l'ordre d'avancer. Sans sûr. Au pas de route en avant-marche. Ouais, tu peux avancer nord, il y a personne devant. Oui, il avance pas. Ok, eux, ils se déplacent dans la ville vers Semi. Genre à sa gauche. Faudrait que tu formes dans une ruelle. Ah si, il y a une ligne et qui va former au milieu des maisons. En face de toi. Moi? Ouais, oui, t'as pas une ligne qui va former quelque part un peu plus à droite, de l'autre côté du bâtiment de maison, qui s'arrive vers ta position. C'est qui lead la deuxième? Cricor avance. Cricor avance en plein nord aussi. Semi, je serai toi, j'avancerai pas, tu vas te retrouver dans une sauce. Ouais, mais alors une sauce. Ils sont dans une rue parallèle à la tienne. Bah dis-lui une game. Tu m'as dit de continuer à avancer au Megato. Oui, mais là, en face de toi, en ligne. Fais le silence, traverse, tu avances tout droit, ils sont formés dans une ligne. Ils savent pas du tout que vous êtes. Oh, tu passes des trucs passés derrière. Attendez, les gars, ils sont formés dans l'allée à droite. Ils sont formés dans l'allée à droite, les gars. Écoutez-moi, voilà. Dans l'allée juste à votre droite. Ils me tirent dessus. Ah bah, je suis mort. Mais. Il y a une ligne en face de toi maintenant. Et il a une ligne qui est un peu plus chance. Oh là là. On s'est pris un truc. Ah, il y en a une autre en plus. Ouais, surtout que ça a rien rendu derrière, hein. C'était juste un son. Ouais. Oh, vous allez vous faire encercler à gauche en plus, il y a encore une ligne à gauche. Oui, mais à gauche, ils font des rangs en arme. C'est parce que Cricor il est trop loin. La ligne de droite rentrait pas dans les rues, hein, donc je vais passer derrière eux. Allez, fonce Cricor. Tu rentres dans l'allée. Tu risques de voir, tu vas voir mon cadavre. Tu es à ma gauche là?
Ouais, tu vois la charrette loin, là, c'est ouais. Le oh, ok, forme juste devant cette allée là de charrette. Ok, prêt, enfin, pour tirer dedans. Ouais, oui, parce que c'est ouais, non, pas encore, non, faut qu'elle tire. Faut que tu tires dedans. 100% de tes hommes tirent à mi-chemin. Tu l'as vu. Ouais, on est formé, mais on peut pratiquement baisser. Fais feu là, tu peux faire feu. Il fait feu là. Messieurs, vous êtes trop nuls, faut viser un peu plus haut. Ouf. Voilà. Visez un peu plus haut, mettez de la mire sur les pieds. Voilà, nickel, fumez-les, desquels. Ton arme. Il n'y aura pas de triple ligne ce soir, c'est dommage. Oh la vache. J'aurais... Et vous rendez rien, vous l'autre. C'est un truc de fou. Mais il tire à mi-chemin, genre c'est impressionnant. Et surtout qu'il y a une autre ligne qui est en train de marcher, qui va tranquillement les entourer. Il y en a même qui sont allés paumés dans un puits. Là, si tu veux te barrer... Ah oui, ils sont en train de se faire encercler, Semi. Ok, Semi, passe à droite, Semi. Semi, tu te fais encercler. Dégage à droite. La seconde se fait encercler. Vas-y, on va faire un jeu d'échecs, ça va être rigolo. T'as ceux qui courent, ils sont en jeu, ils sont prêts à te... Ouais, c'est ce que je vois. Ok, Semi, passe par le... Au pire, tu peux les contourner par ici. Par à gauche, par à gauche. Tu les contournes par la gauche. Tu me dis trop tard. Bon, là tu vas direct à ta gauche, tu prends la prochaine à gauche. J'ai l'impression que c'est un jeu de Koh-Lanta où la personne a les yeux bandés, tu la quittes dans un. Tu devrais seulement pas te faire genre, Semi. Il faut que Semi forme sur sa droite. Par gauche. Non, il faut qu'il forme. Non, mais en vrai, Semi peut débloquer la situation s'il charge maintenant, en fait, sur la ligne que Christophe essaie de mettre en jeu. Oui, je sais pas si. Sur ta droite, à droite. Mais toi, t'as gauche, ta gauche derrière toi, quand ils vont venir à droite, contourner par la droite. Taisez-vous! Oh, les ils sont là, à droite, à ta droite. Charge, regarde, ils sont là. C'est à droite. Chargez, croise la baïonnette, chargez. Mais Cricor, rentre dans la ville. Cricor, qu'est-ce que tu fais? Rentre dans la ville. J'arrive. Oh là là, il faut vraiment donner des indications hein, parce ouais, que vous avez lâché la gauche, vous êtes des malades mentaux, et vous êtes des trous du cul. J'étais en train de lui dire, bordel. Parce que moi, vous dites aller à gauche, aller à gauche. Il reste Cricor, les gars. Cricor, tu formes à la prochaine allée à ta gauche. Ok, sans moi. Pas encore, tu formes pas. Oui, Cricor, attends et change là. Dis aux musiciens de se la fermer. Comme ça, dis à tout le monde de se la fermer. Comme ça, ils vont peut-être. Elle est la dernière ligne. En fait, elle est sur ta droite. Elle arrive sur ta droite. Derrière ils sont où sont à droite. Derrière la maison qui est à ta droite. Oui, ils sont juste à ta droite. En tournant. Attends. Te montre pas, Passe non. Pas. Non, te montre pas. Si c'est pas, bon, pas. Si c'est le moment, c'est bon. Attention, t'as de la charge. Derrière toi, Cricor. Décalez-vous. Derrière toi, Cricor. Tout le monde en joue. Charge de crack. Empêche-les. Derrière vous, ça charge. Ça va, ils ont laissé l'action. The crack, pourquoi t'as pas chargé, salaud. Allez, vas-y, ok, je suis mort, ma colonne est en roue libre là. Je crois que toute l'armée française est en roue libre. Oh la vache. Ah, le combat urbain, on ne maîtrise pas. Ça, c'est. En même temps, on a des trop grosses lignes pour du combat urbain. C'est simple, ils ont 3 lignes, on en a 2 entre 2 maisons. En vrai, il faut qu'il y en ait un qui reprenne le lead parce que là, c'est. Non, mais là, c'est perdu. Ils sont complètement perdus. Ils vont se faire un café. The crack, qu'est-ce qu'ils font en promotion Area, The crack là dans les lignes. C'est fou. Vas-y, sors, ils viennent de tirer. Sors, décale-toi. Ah, mais y'a plus personne, hein. Je suis ici dans le Discord. Mais qui. Ah, c'est un archite, ok. Allez, c'était une belle tentative. Quand j'ai fait une salve à 40 bonhommes et qui touche pas alors que les gars sont à 60 mètres en face. Non, mais c'est quand même un scandale. Oh là là. Ouais, y'avait pas de stratégie là, faut quelqu'un se mettre en hélico et qu'il dise où à chaque fois on. Ouais, le problème c'est que. On sait le chef de l'espagnol. Sauf que là, ouais, genre. Le problème c'était globalement les tirs quand même. Ils se font guider, tu vois, mais bon. Sur la ligne de crack, tu fais quoi. Non, mais c'est réaliste ou pas? D'où y'a un hélicoptère en réaliste? Oui, bah c'est. Après, on écoute. Faut d'abord en avoir un parce que vu comment ils sont coordonnés. Ils en ont un de ouf, c'est pas possible sinon qu'ils soient partis sur la droite et entourés. Si, c'est quelqu'un sur le fort. Ah, c'est les deux indications différentes au moment. Ouais. Que... Droite, gauche, mais pas de con. Qui a dit à gauche en vrai? Genre, c'est pas possible de con. C'est fou. Ah, y'a des Russes. De... Ouais, voilà, c'est pas de. Je le surveille. Hein. Ils vont venir vous tuer, ça. Ah, c'est vrai.
Putain, il est juste pas drôle en fait, ah, chez ce. Il y a Murat, oui. Il veut te protéger. Oh putain. Te protéger. Te protéger. Ah, mais non. Alors, refiler à The Crack la médaille de la honte pour avoir abandonné une ligne. Oui, mais en plus, c'est le chef des grenadiers, quoi. Ouais. Et c'est celui qui était derrière les trois pecnos qui ont lancé sur le corps et il les a pas chargés. C'est ça. Il mériterait la médaille du dash. Bon, allez, faire votre. Allez, faut faire.